On a bien entamé le match, on a bien conservé le ballon, on a bien fait tourner, on était bien en place, on a bien fatigué l'équipe du Comore. Au final, on a mis 3 buts, donc c'est une bonne chose. La suite de la préparation comment vous la voyez ? Non, je pense que là, on revient tout doucement, chacun revient un petit peu de son championnat, donc on se prépare tout doucement. On n'a pas tous actuellement le même rythme physique, donc le plus important c'est d'être prêt le 24. Ah, ça va être une CAN intéressante, je pense. On a pas mal de choses à prouver parce que nous, la dernière CAN, on n'a pas été à la hauteur. Donc on a à cœur de vraiment commencer cette CAN de la meilleure des manières. Maintenant, on sait que toute équipe est difficile à jouer, ça sera à nous de trouver les solutions et d'être prêt pour le 24. Premier match de préparation, comment vous l'avez trouvé? Non, c'était. Fallait reprendre le rythme bien comme il fallait. Après, sur la fin, c'était un peu dur physiquement. Mais dans l'ensemble, je pense que c'était un bon match. On a des choses qu'on a travaillées à l'entraînement la semaine, qu'on a essayé de reproduire ici. Et je pense qu'on a bien manœuvré cette équipe du Comore. Après une semaine de préparation, c'était un bon match test pour vous. Oui, c'était un bon match test puisque cette équipe elle a posé beaucoup de problèmes dans sa phase de groupe aux équipes avec qui elles étaient. Donc aujourd'hui, on les a rencontrés et on a su imposer notre football et ce qu'on sait faire depuis ces derniers temps et ça a bien marché aujourd'hui. Ça permet d'entrevoir une bonne CAN pour vous ? On se prépare tranquillement pour l'instant. Après, on verra une fois là-bas. Mais en tout cas, on va tout faire pour arriver à 100%, vraiment bien physiquement et après, on pourra parler de faire une bonne CAN. C'est votre première CAN, personnellement, c'est un challenge ? Oui, bien sûr, c'est un challenge. Il faut relever le défi. On va essayer d'aller le plus loin possible. Quand on commence une compétition, en tant que compétiteur, on veut la gagner. On va prendre les matchs les uns après les autres et voir ce qu'on peut faire. Bah, c'était un bon match pour nous pour finir la saison. Après, on a vu que l'équipe de la Côte d'Ivoire était dans leur préparation pour la CAN, donc ils ont pris ça au sérieux. Et c'est bien aussi pour nous de jouer contre une nation comme la Côte d'Ivoire. Après, sur le match, ils n'ont pas démérité. Je pense qu'ils ont mérité la victoire. Ensuite, nous, de notre côté, on n'a pas démérité non plus. On a joué avec nos armes. Après, avec pas mal d'absences, on a eu 2 joueurs blessés lors de notre préparation. On a fait avec les joueurs qu'on avait. Et malgré ce score, on a vu que voilà, on a pu rester assez solide jusqu'à ce premier but. Et pour nous aussi, ça nous permet aussi de finir la saison en beauté et pouvoir jouer contre la Côte d'Ivoire. On a sorti une belle équipe. Voilà, c'était important de retrouver les automatismes ce soir. Et en plus, cet après-midi, il y a eu la manière. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir. On a gagné. C'est ce qu'on voulait. Et 3 points, c'est un match amical, certes. Mais bon, il faut garder les bonnes habitudes. Et on a gagné. C'est le plus important, on va continuer à avancer dans la préparation tout doucement. 3-0, mais il y a beaucoup à améliorer. Oui, il y a beaucoup à améliorer, comme je l'ai dit, mais après c'est le résultat final qui compte. Et comme j'ai dit, c'est un match test. C'est fait pour préparer certaines choses et essayer certaines choses. Donc on a vu beaucoup de bonnes choses aujourd'hui et il y a forcément des choses à améliorer. On va se servir de la préparation et les matchs à venir pour essayer de corriger les erreurs qu'on a commises aujourd'hui. C'est une très bonne équipe, je pense que c'est la meilleure manière de se préparer avant la compétition importante qui va arriver. On les a vus jouer, ils ont fait un bon résultat contre des grosses équipes, donc c'était un bon match de test. En plus, on revient tous, on est un peu tous en préparation, donc c'est une manière de pousser un peu ses limites. On savait que c'était pas un match en jeu, mais ça fait toujours plaisir de gagner. C'est le premier des matchs amicaux. Quels ont été les points positifs et une pression à améliorer pour la suite de la préparation ? Les points positifs, déjà la victoire, c'est le point positif de la soirée. Après, je pense que dans l'ensemble, on a été bon dans l'utilisation du ballon. Dans pratiquement tous les secteurs, on a été sérieux. On a respecté cette équipe-là et aujourd'hui, on est content du résultat. Après, bien sûr, il y a dans tous les matchs, il y a toujours des trucs à améliorer. On va regarder la vidéo, on va en parler avec le coach et puis on verra bien les points à améliorer, les points à corriger. Mais en tout cas, non, dans l'ensemble, je suis très très content de ce qu'on a fait ce soir. Et voilà, on commence cette préparation avec une victoire, donc voilà, il n'y a pas mieux.